La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le mag. Ici Saint-Denis, c'est toutes les informations. Se déplacer et avoir accès à l'annuaire des services de la mairie, connaître les animations culturelles ou même savoir le menu des cantines, c'est maintenant possible depuis le début de l'année grâce à l'application gratuite Ici Saint-Denis sur votre smartphone. La municipalité veut faire du chef-lieu une ville dans l'air du temps, une ville numérique et connectée. C'est maintenant incontournable d'avoir une application pour une ville qui se veut connectée. Et c'est aussi pour être en phase avec le Dionysien et de façon directe et connectée toute la journée à n'importe quel moment. À ce jour, plus de 20 000 téléchargements de l'application ont été effectués, mais le service de communication de la mairie ne s'endort pas sur ses lauriers et poursuit ses efforts pour satisfaire les administrés. Une note plus de 4 étoiles sur 5, donc de très bons retours, des avis positifs. Et même des remarques de citoyens qui nous proposent de nouvelles rubriques dans l'application, ce qui me fait dire que les citoyens se sont appropriés l'application et veulent la faire évoluer. À partir de ce portail Ici Saint-Denis, vous pouvez également signaler un incident sur la voirie dans cet onglet Allô Saint-Denis. Éclairage défectueux, nid de poule ou encore véhicules abandonnés ne tarderont pas à être traités grâce à ce service bien rodé. Les Dionysiens participent ainsi à l'amélioration de leur cadre de vie. C'est un service qui permet de centraliser toute demande de signalement de dysfonctionnement sur le domaine public ouvert. Donc en gros, la voirie, les bas-côtés. Le service va enregistrer la demande, va permettre d'enregistrer toutes les informations qui sont nécessaires pour que les équipes puissent intervenir sur le terrain. Donc les informations, ce sont des informations indispensables, comme l'adresse exacte du problème. Et ensuite, une fois que la requête est enregistrée, les équipes vont pouvoir intervenir et nous ferons un retour sur les travaux effectués. Allô Saint-Denis, Aurélie, bonjour. Oui, c'était pour un signalement de dysfonctionnement. Les déclarations d'incidents sur la voirie peuvent se faire directement sur votre smartphone, mais si vous n'avez pas accès à l'application Ici Saint-Denis, alors vous pouvez joindre de manière plus classique le standard de la mairie par téléphone au 0262 400 404. Dans son projet de faire de Saint-Denis une ville moderne et solidaire, la mairie a mis aussi en place un accès gratuit à la Wi-Fi, à l'ancien hôtel de ville, sur la place de l'Océan ou encore au skatepark. Installer la Wi-Fi pour l'ensemble de la population dionysienne, c'est donner la possibilité à tous les dionysiens de se rapprocher des autres, de s'instruire, de se cultiver, de vivre normalement, de ne pas vivre en tout cas dans la solitude, dans l'exclusion. Après l'installation des premières bornes Wi-Fi gratuites, la municipalité œuvre à présent pour une extension vers d'autres quartiers. On prévoit déjà, grâce à la direction projet territoire, une expression de besoin qui va vers le secteur de Montgaillard. Donc ce sera le cratère du parc de la Trinité, le curé familial au niveau des ronds d'Avel et le parvis de la médiathèque. Et à l'intérieur de la médiathèque, au niveau des hotspots, on travaille de concert avec les services de la CINOR. On s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Donc on va analyser le service que l'on propose déjà, comment ça se passe, est-ce que les usagers sont bien desservis, est-ce qu'il n'y a pas d'interruption, est-ce que le débit est satisfaisant. Et au fur et à mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer. On va éventuellement augmenter les performances grâce à la fibre optique notamment. La ville de Saint-Denis poursuit son projet de faire du chef-lieu une ville connectée. Dans quelques temps, ce sera le centre-ville qui profitera de cette couverture Wi-Fi. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le Mag.